Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui un petit haul, voilà, haul spécial coloriage. Alors il y a du Amazon et il y a du Action, voilà, il y a les deux. On va commencer par Amazon. Alors il me manque un article que je vais certainement avoir aujourd'hui ou demain ou lundi. Je ne sais pas. Mais je vous le mettrai en photo. Donc, c'est juste un stylo blanc, enfin, à encre blanche pour le coloriage. Donc, je vous mettrai la photo quand même et je vous mettrai le lien pour le retrouver en barre d'infos, pour le retrouver sur Amazon. Voilà, et quand je le recevrai, je vous le montrerai. Je devais le recevoir, mais là je ne l'ai pas encore eu. Comme c'est la poste qui me l'envoie, celui-là, bon ben, du retard. voilà, donc c'est un haul spécial coloriage. J'ai d'abord commandé. Alors là, elle est emballée, hein. Le couvercle est derrière, je vais l'ouvrir. Une boîte de crayons de couleur, voilà. C'est des polycolores, donc c'est les Kohinoor, voilà, les Kohinoor. C'est les crayons exprès spécial pour faire les visages, les peaux, voilà. Donc voilà les couleurs que vous avez avec. Donc c'est pour faire tout ce qui est peau. Alors, je vais l'ouvrir. Ce coup, quand je l'ai ouvert dans la boîte, je suis mince, il manque le couvercle. Mais non, il ne manquait pas le couvercle. Donc ça c'est le couvercle, voilà, pour que vous voyez. Donc c'est les polycolores, donc il y a 24 crayons. Donc c'est des crayons artistes, hein. Donc c'est de la bonne qualité. Et là il y a une petite étiquette. Ah c'est là, c'est le nom, oui. Qualité garantie. Les Kohinoor Hard Temuts, voilà. Hop. Donc on a la couleur la plus foncée. Alors je vais me mettre comme ça parce que sinon ça va tomber. Ouais. Donc des marrons, il y a du bleu. Vous comprendrez pourquoi. Je vous ferai un tuto hein, pour une couleur de pour un visage. Voilà, il y a du blanc, du rose, du jaune. Et donc voilà, parce que j'en avais un peu marre de faire des pots et de voir avec les crayons approximatifs, de ne pas pouvoir faire vraiment les ombrages, de toujours chercher. Et donc je me suis acheté cette boîte. Alors, vous allez dire, elle est un peu chère, mais bon, c'est du bon. Donc cette boîte est à 22 euros. Voilà. Mais elle fait du bon travail. Voilà. Donc je vous ferai des tutos avec cette boîte, avec les combos. Je vous donnerai les combos avec. Donc les combos, pour celles qui ne connaissent pas, c'est vous dire les numéros de crayon qu'il faut et dans quel ordre il faut pour faire le coloriage. Donc de la peau pour avoir le visage. Voilà. Ça, je vais jeter. Hop. Ensuite, donc là, je vous ai dit 22 euros. Ensuite, ça faisait un moment que je devais l'acheter, puis j'ai toujours attendu. J'ai l'essence minérale. Voilà. Donc c'est de la Lefranc Bourgeois.
Alors, celles qui connaissent, bon, savent ce que je vais en faire. Celles qui ne connaissent pas, donc c'est accompagné. Enfin, c'est accompagné, je l'ai acheté à part. Hein. Bon, j'aurais pu l'acheter ici au supermarché ou quoi, mais bon, je l'ai pris dans ma commande. Hein. Donc, c'est des petites éponges comme ça, vous vous rappelez, hein, ces petites éponges-là, on en avait à l'école pour essuyer notre ardoise. Enfin, celles qui ont connu l'ardoise qu'on avait à l'école. Je sais, je suis vieille. Donc c'est pour lisser nos couleurs, voilà. Donc on va faire ça avec un coton-tige et donc on va mettre de l'essence dessus et c'est pareil, je vous ferai un tuto. On va chercher l'essence sur l'éponge avec notre coton-tige et on va lisser nos couleurs sur notre dessin, voilà. Donc c'est une essence sans odeur, donc ça c'est bien, hein, heureusement. Donc c'est pour fluidifier en même temps les peintures, les médiums ou vernis. Ça nettoie aussi les applicateurs. Évaporation rapide, aucune trace au séchage. Voilà. Mais on s'en sert donc, comme je vous ai dit, également pour lisser les couleurs. Quand vous avez deux couleurs à, par exemple, à, je cherche le mot hein, depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je vous dis lisser, mais c'est pas lisser. Je vais vous remettre le mot en bas. Voilà. Alors ça, l'essence, je l'ai payé 7,50 €. Bon, c'est de la marque, hein, bien sûr. Et l'éponge, bon, c'est vrai que l'éponge, j'ai payé un peu cher. Hein, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais pu la trouver en magasin directement un peu moins cher. Mais bon, j'avais pas envie. 2,48 €. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, j'aurais pu la trouver moins cher. Ailleurs. Ensuite, je me suis acheté un petit flacon de drawing gum. Oula, de quoi elle nous parle là? Donc c'est ça. Voilà, un petit flacon comme ça. Alors, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer si j'y arrive, oui. Voilà, alors, voilà, je ne sais pas Voilà, c'est un liquide bleu, comme ça. Ça pue. Ça a une sale odeur, mais bon, ça c'est rien. Alors, vous allez me dire, c'est pour quoi faire? Donc, c'est une gomme. Alors, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Gomme réserve. Oui, gomme réserve. Alors, ça, c'est comme c'est écrit, c'est une gomme. Elle va gommer avec. Hein. Par exemple, si je veux faire des fonds en pastel, en peinture, en ce que je veux, avant de faire le coloriage de mon dessin, je vais mettre cette gomme sur tout mon dessin avec un pinceau. Donc, je vous montrerai aussi, je vous ferai pareil, un tuto pour vous montrer comment on se sert de ce produit. Et donc, on va mettre cette gomme sur tout le dessin, partout, partout, partout. Et une fois que c'est sec, on va pouvoir faire notre fond comme on le souhaite. Et une fois que le fond est fini et sec, on va pouvoir retirer. La gomme qui est sur le dessin et ensuite ben, on pourra colorier notre dessin normalement. Voilà. Bon, c'est vrai qu'en l'expliquant comme ça, c'est un peu abstrait, mais pareil, je vous ferai un tuto pour vous montrer comment on s'en sert. Voilà. Bon, certainement qu'il y en a ceux qui sont déjà adeptes du coloriage connaissent. Mais bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous ferai un tuto. Donc ça, le drawing gum, c'est 4,26 €. Voilà, bon, c'est un petit flacon. Donc, je peux quand même m'en servir un petit moment. Hein. Voilà, et puis, je ne vais pas m'en servir sur chaque coloriage non plus. Et donc, il y aura le stylo blanc qui va me servir, par exemple, pour faire dans les yeux, pour faire dans les cheveux, pour faire, voilà,
faire pas mal de choses. Et lui, le stylo blanc est à 3,63 €. Donc voilà pour Amazon. Action, réaction. Alors c'est des choses que vous devez connaître. Parce que ça c'est sorti déjà depuis un bon moment. C'est les feutres métalliques. Brush pen. Voilà, ceux-là. Donc ils sont déjà sortis depuis un moment. Voilà, je ne les avais pas encore achetés. J'hésitais. Je savais pas si j'allais me les prendre, si j'allais pas les prendre. Alors, je vais regarder. J'ai déjà une boîte ouverte. C'est laquelle? Non, c'est pas celle-là. Vous allez voir que ça va être la dernière. Ah, c'est celle-là. Parce que j'ai Chouchou qui a regardé. Mais bon, alors, il a essayé, mais lui, ça lui plaît pas. Donc, voilà. Alors. Donc, voilà la pointe. Et voilà ce que ça va, ça fait. Alors, je vais vous baisser la caméra, ce sera beaucoup mieux. Alors, je vais le fermer en attendant que je vous baisse la caméra. À tout de suite. Donc voilà, ça ira mieux pour voir. Alors, on va zoomer un peu pour que vous voyez mieux. Donc voilà ce que ça va faire. En écriture. Voilà. Et en coloriage. Donc c'est métallique normalement. Alors, est-ce que ça zoome? Le métallique, je le vois pas beaucoup, mais bon. Peut-être mon papier qui n'est pas. On va essayer une autre couleur pour voir. Ah, celui-là déjà, il brille beaucoup plus. Voilà. Par exemple, si j'ai un... Alors, je vais faire un truc. Allez, on va se dessiner une poire. Hop. Ça va. Je vais voir si ça fait des traces ou pas. Non, ça va. Bon. Ça va. Et, bon, là, ça transperce pas. Mais c'est du cardstock. Mais il faudra que je vois après. Donc, par exemple, ici, c'est un papier très fin. C'est un papier de course.
Ça va. Alors, si ça transperce pas là-dessus, sur les livres de coloriage, normalement, ça va pas transpercer. Donc, c'est bon. Alors, c'est feutre de coloriage. Alors, ah oui, je ne vous ai pas montré les couleurs. Alors, j'ai cette série-là, les verts, bleu et violet, jaune jusque orange et marron, jusqu'au marron très foncé. Non, c'est même noir, je pense. Ouais. Et j'ai la série des roses et un peu de violet clair. Voilà. Donc, ceux-là, donc ces quatre-là, ils sont à 2,24 € pièce. Voilà. Ensuite, et pour terminer, alors je vais vous enlever le zoom, ça ira mieux pour voir. Voilà. Les brush pen. Voilà. Alors, je les ai achetés ce matin. Et je pense que je les ai déjà. Ça, c'est les anciens. Ça fait très longtemps que je les ai. Donc, on va voir si c'est exactement les mêmes ou pas. Donc, j'ai les pastels. Les beiges, marron et noir. Rouge, orange et violet. Et les bleus et verts. Voilà. Alors, je ne peux pas savoir si c'est exactement les mêmes. Parce que là, par contre, on va en prendre un. Ici, c'est juste marqué brush pen, mais il n'y a pas la taille des pointes. Là, c'est marqué 0,5. Ici, il n'y a rien de marqué. Et donc, voilà comment c'était. Voilà comment était la pointe. Et ici, on va regarder comment est la pointe. Bon, on va ouvrir les bleus, par exemple. Ben, c'est le même. Hein. Voilà. Alors. Ouais, c'est exactement le même. Ouais, c'est exactement les mêmes. Alors, attendez que je vous mets ça sur une feuille blanche. Alors, je vais vous zoomer, ce sera mieux. Alors, ici, c'est les anciens. Voilà. Et là, c'est le nouveau. Donc, c'est exactement la même chose. Les pointes sont pareilles. Bon, l'ancien est un tout petit peu plus long, mais bon. Donc, l'ancien, ça faisait. Voilà. Et le nouveau. Ah, non! Ah, il y a une différence. J'ai ma langue. Non, ben c'est pas pareil. Le stylo est le même, mais la pointe n'est pas la même. D'accord. Alors, ancien. Nouveau. Alors, je vais refermer les bouchons hein, pour pas que ça sèche. Et voilà. Alors, vous êtes tous. Ah, je ne sais plus. Voilà. Alors, ah, ça floute, ça floute. Voilà, il y a une différence d'épaisseur.
je vais mettre dans ce sens-là, ça ira mieux. Voilà. Ancien et le nouveau. Le nouveau est beaucoup plus fin. Arrête de flouter, tu m'énerves, la caméra. Veux-tu faire le point? Voilà. Voilà. Donc, ce ne sont pas les mêmes. Niveau pointe. Donc, voilà, j'étais mauvaise langue. Je vais marquer mon nom, hein, vous allez voir. Voilà, ça, c'est l'ancien. C'est l'ancien modèle. Et celui-ci, en plus, accroche un peu plus. Et ça, c'est le nouveau. Voilà. Donc, j'ai été mauvaise langue, les filles. Donc, c'est pas les mêmes. C'est le même packaging. Mais la pointe n'est pas la même. Voilà. Bon. Donc, je ne sais plus si je vous ai dit les couleurs que j'avais pris. Ça y est, je vais vous les remontrer. Hop, voilà. Donc, bleu vert, rouge violet, marron noir et les pastels. Voilà. Tout ceci au prix unitaire de 1,45 €. Voilà. Bon, bah du coup, mes vieux, je les garde. Je pensais du coup donner les vieux à Chouchou et garder les nouveaux. Mais bon, non, on se les partage. Hein. S'il a besoin, on se les partage. Alors, attendez, je me remets face à face à vous. Donc, voilà. Oh, j'ai mal remis la caméra. Bon, ça fait rien. Le principal, c'est que vous me voyez. Bon, bah du coup, ça, c'est les anciens qui écrivent beaucoup plus épais. Et les nouveaux qui écrivent beaucoup plus fin. Donc, les nouveaux, c'est une mine de 0,5. Et là, cela, du coup, je ne sais pas, puisque rien n'est marqué sur les anciens. Oups, là, et je n'ai plus le packaging de cela. Donc, voilà. Bon, ben, voilà. Donc, je n'ai rien dit. Donc, voilà mon petit haul du jour. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, pour les nouveaux produits Amazon, ne vous inquiétez pas. Je ferai des tutos, voilà, pour vous montrer comment ça fonctionne, comment on s'en sert. Et puis, voilà. Donc, si vous voulez voir des choses, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, voilà. Ah oui, ça fait un moment que je les avais achetés. Je ne sais plus si je vous les ai montrés. Alors, je vais faire un essai, mais je crois qu'il y en a déjà qui ont essayé. Voilà, c'est ces petites choses là qui servent à se maquiller, hein. Mais bon, moi je me maquille pas, hein, c'est une fois l'an. Donc je m'en suis acheté deux, je sais que bon, je les ai eu à Action, hein. J'en ai acheté deux comme ça d'abord, mais je sais que maintenant ils vendent des boîtes avec une dizaine, je crois, 10-12. Allez, ouvre-toi. Pareil, je vais d'abord faire des essais avant de faire un tuto. Et je... Voilà. Et voilà ce que c'est. Hop. Vous avez déjà vu, hein, c'est pour celles qui ont l'habitude de se maquiller. Hein, c'est des petites... je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, on les appelle ça éponge à maquillage. Mais ça a un nom aussi, hein, je pense. Ça, je sais pas. Mais bon, moi le maquillage, ça fait deux. Avant, oui, quand j'étais jeune. Là, bon. Et je vais m'en servir pour les encres. Voilà. Je vais voir si ça marche pour faire mes fonds de cartes. Je vais faire un essai. Donc, si ça fonctionne, je vous ferai un tuto. Mais je pense que ça fonctionne. Voilà. Donc, encore un tuto à prévoir. Autre chose, voilà, avant de fermer la vidéo. Vous vous rappelez
quand je vous ai montré les nouvelles encres, donc celle-ci d'Action, voilà. La coloration de l'encre est un peu restée sur mon tampon. Donc, j'ai des copinettes dans les commentaires de YouTube qui m'ont dit qu'elles utilisaient ça. Donc, ça y est les filles, j'ai été en chercher ce matin. Voilà, l'eau écarlate. Donc, je vais essayer. Voilà. Bon, si ça marche pour elles, ça va marcher pour moi. Hein. Donc, idem. Je vais également faire une boîte de nettoyage à tampons. Et du coup, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà. Je me suis fait un carnet. C'est pas un carnet, c'est, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo dessus. Pour mettre toutes mes idées vidéo, les dates des vidéos et tout. Parce que là, je commence, le cerveau commence à bouillir. Voilà. Je, comme d'habitude, vous voyez, je commence à me... Participer. Avec mon foutu fauteuil. Mais bon, pour l'instant, il restera comme ça. Bon, Chouchou devait regarder. Hein. Il n'a pas encore regardé. Mais vous savez, hein, les hommes, quand ils vous disent « Oui, je vais regarder », ils ne disent pas en quelle année. Vous ne savez pas en quelle année, pour le dire. C'est comme, bon, moi, c'est pas un fanat du bricolage, donc ça, je sais, il n'y a pas de souci. Mais ils ne vous disent pas en quelle année ils vont regarder ou qu'ils vont vous le faire. Heureusement, moi, je suis... bricoleuse, mais là, bon, ce truc-là, je préférais qu'elle regarde quand même. Sinon, bon, sinon, je vais regarder moi-même. Hein. Au bout d'un moment, je vais finir par regarder et puis démonter la chaise. Voilà. Bon, allez, je vous laisse, ça y est, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses, comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.